famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour les nouveaux, moi, c'est Gisèle, maman au foyer. Si c'est toute votre première fois de tomber sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager avec la famille. J'aimerais vous compter parmi nous. Bienvenue sur ma chaîne. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer votre clochette pour ne pas manquer nos futures vidéos. Voilà, aujourd'hui nous allons faire une recette qui n'est pas vraiment compliquée, simple à faire. Je m'en vais rapidement vous présenter les histoires, les ingrédients qui pourront m'accompagner à réussir ma recette. Là, j'ai mes poulets que j'ai déjà bien lavés, qui n'ont pas des os. Il faut choisir les poulets qui n'ont pas des os. De l'autre côté, j'ai mes pommes de terre que j'ai déjà aussi lavées. J'ai mes carottes. J'ai les branches de céleri. J'ai l'ail écrasé. J'ai la tomate. J'ai l'oignon blanc. Ici, j'ai l'aromate. Le bouillon de poulet. Poivre noir, les noix de muscade. Ici, j'ai le paprika. Et ça, c'est l'espace de poulet. C'est facultatif. Je vais aller saisonner mon poulet avec ces spices. Là, je vous laisse la vidéo. Jamais d'huile, c'est juste un peu. Je vais retirer mes poulets au feu. Je vais aller mettre l'oignon.
Là, je vais laisser mijoter pendant 15 à 20 minutes. On se retrouve juste après. Voilà la famille, ma recette est là, c'est juste yummy. Et si la vidéo vous a plu, regardez la vidéo jusqu'à la fin, likez, commentez, laissez-moi vos jolis commentaires qui me fera énormément plaisir. Partagez, j'aimerais vous compter parmi nous. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre recette, c'est juste un repas du soir. Je compte bien vous retrouver à la prochaine. Bye bye, que Dieu vous bénisse.